Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous de liker ma vidéo, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. OK? Alors, j'ai besoin de vos abonnements pour pouvoir commencer à faire mes directs aussi. OK? Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, de l'histoire de ce couple, hein, ce jeune couple. Ils sont mariés depuis 5 ans. Ils ont trois enfants, trois jeunes enfants encore en bas âge. OK? Alors, tout allait bien. Tout allait bien, il n'y a pas de problème dans le couple. Même s'il y a des petits problèmes, on supporte, on se dit, ben voilà, OK? Parce que souvent, les hommes souvent vont avoir plus de difficultés à s'adapter à une relation de couple lorsque la famille s'agrandit. Les hommes ont un peu plus de difficultés que les femmes. Alors, dans le cas de ce couple dont je veux vous parler, c'est que le gars, il a quitté sa femme il y a 3 mois. Hein. Il a tout simplement informé sa femme du jour au lendemain qu'il partait. Et il y a des hommes comme ça qui ne savent pas mentir. Il y a des hommes qui ne savent pas jouer un double jeu. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour être infidèles. OK? Pour eux, dès ils trompent leur copine, il faut qu'ils partent pour juste se concentrer à cette personne-là. Alors, quand tu es comme ça, tu vas avoir beaucoup de difficultés parce que tu vas passer ta vie à changer. OK? Tu vas passer ta vie comme ça. Alors, dans ce cas-ci, donc, le gars, il s'est amouraché d'une femme au travail et il a quitté sa femme. Il quitte sa femme qui a trois enfants pour aller vivre son aventure avec une nouvelle femme. Écoute, c'est de l'irresponsabilité. Toujours est-il qu'il est parti, la pauvre jeune femme aussi, elle est jeune, hein, elle a à peine 28 ans, elle se retrouve donc avec ses trois enfants toute seule. Vous vous rendez compte? Le gars, donc, après 3 mois, il se rend compte qu'il s'est trompé, il se rend compte qu'il a été très rapide, qu'il n'a pas pris le temps de connaître cette nouvelle maîtresse, hein, il n'a pas pris le temps et qu'il a manqué de sensibilité envers sa femme. Alors, il appelle sa femme, il dit à sa femme, pardonne-moi ma chérie, je veux revenir. Vous savez quoi? Souvent, quand un homme pense que la femme l'aime beaucoup, il la prend pour acquis. Il pense que la femme va toujours tout lui pardonner parce que nous, on a pris l'habitude de pardonner. Il pense qu'on est obligé de tout le temps pardonner et qu'on va tout le temps pardonner, même ce qui est impardonnable. Et je pense que c'est ça qu'il s'est dit, ça, que quand ça ne va pas bien aller, je vais revenir de toute façon. Elle n'a pas de choix, elle va m'accueillir. Alors, non, monsieur, mon cher monsieur, donc il appelle la femme, il lui dit ça. La fille dit, mais non. Écoute, tu te rends compte que même quand on était en couple, tu te rends compte que même j'étais dans des problèmes, l'enfant était malade à l'hôpital, était hospitalisé. Tu es venu à l'hôpital quelques secondes. Tu n'es même pas passé, tu n'es jamais venu dire, je vais rester avec l'enfant à l'hôpital, va te reposer à la maison. Non. Et même quand les enfants avaient besoin de toi après l'école, tu n'étais jamais là, tu étais toujours dehors. Et tu penses que tu veux revenir, je vais t'ouvrir bras. Non.